Minecraft, ce jeu de survie légendaire. Vous naviguiez dans un monde en 3D complètement composé de cubes, mais que se passerait-il si on passait à la quatrième dimension? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Salut, c'est Metablaze et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer à 4D Miner. Et le menu du jeu est déjà très psychédélique. Oui, alors juste avant que la vidéo commence, ceci n'est pas une cape, ce n'est pas un nouveau style. Il fait actuellement 32 degrés. C'est la canicule, j'ai chaud. Ah, je vais vous donner une astuce. Si vous avez chaud comme moi, première solution toute basique, ayez un ventilateur, c'est déjà très très bien. Mais ça va, c'est quand il fait à peu près doux. Mais moi, j'en suis arrivé à ce stade. L'astuce, c'est vous prenez une serviette, vous l'humidifiez et tout simplement vous la posez sur votre corps. Et ça fait un bien fou. Voici comment la 4D fonctionne dans ce jeu. Ce n'est pas juste Minecraft, sinon ça serait une pure copie. Les blocs sont toujours posés perpendiculaires les uns les autres. Tandis que sur 4D Miner, c'est différent. Super, le jeu nous fait même une petite démonstration. Ça serait Minecraft, générant un nouveau monde. Waouh! Dès le début, ça part. La génération est très bizarre. C'est vrai que comme ça ressemble beaucoup à Minecraft. Est-ce qu'on peut casser les blocs? On n'est pas l'impression. Si, peut-être. Attendez, regardez, si je tourne la roulette. On peut changer de dimension. C'est n'importe quoi. C'est comme si on pouvait changer l'espace-temps, c'est n'importe quoi. Et regardez, les blocs disparaissent carrément. Pourtant, j'avance pas dans le temps, hein. Même les arbres sont placés de différentes façons. Regardez, il y a un trou ici. Est-ce qu'un bloc existe? Carrément, là, j'ai fait disparaître l'arbre. Il y a un trou en face de nous. Oh, il y a même des minerais qui peuvent apparaître. Ah, mais on peut aussi changer la caméra dans le sens là. Ah oui, là, c'est énervé, d'accord. Attends, on voit la lune? Ah oui, on voit la lune. Et il commence à faire jour. Moi, je réussis à casser une plante. Juste casser du bois. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à casser du bois. On peut casser de la terre? On peut pas casser de la terre. Qu'est-ce qu'on peut casser? Oh, il y a une citrouille. Je peux pas la casser non plus. Et si on tord la dimension comme ça? Non. Tous les blocs ne sont pas destructibles. C'est trop bizarre. Mais regardez ça. Regardez, ce n'est même pas un bloc. Ou alors plus concret, regardez. Là, on a une petite colline devant nous. Regardez, je change de dimension. Waouh, ça bouge dans tous les sens. Ce n'est pas un personnage qui tourne autour de lui-même. Hein. C'est vraiment le monde qui tourne. Et on change de dimension. Mais bon, je crois qu'on l'avait compris, qu'on pouvait passer dans la quatrième dimension. C'est incroyable. Vraiment, je n'arrive pas à casser les blocs de terre, ce n'est pas normal. Si je change de dimension, vous croyez que je peux? Ça ne change absolument rien. Oh, je vois du minerai là. Pareil, je ne peux pas le casser, c'est trop bizarre. Alors, il y a bien un aspect survie mis en place, mais c'est encore une alpha, et d'ailleurs c'est une démo. Donc pour l'instant, il n'y a encore pas grand chose. Bon, je crois qu'il y a des ennemis. Ah, j'ai régénéré un monde et là je peux casser des feuilles. Ah, là j'ai des sticks. Mais pourquoi ça marche là et ça marchait pas tout à l'heure? Un peu bizarre le jeu. Mais pas qu'à l'aspect visuel, hein, mais vraiment à l'aspect technique aussi, tu vois. Je sais pas, là est-ce que j'ai pris des dégâts? Non. Est-ce que je peux taper la bûche? Non. Par contre, je peux casser la terre cette fois-ci. Attendez, si je casse les feuilles, je peux avoir des sticks? Non. Mais oui. Parce que oui, comme dans Minecraft. Eh bah oui, c'est un jeu de survie, donc on peut crafter des choses. Par contre, comment ça fonctionne? J'en ai aucune idée, c'était même pas expliqué dans le tutoriel. Stick. On peut fabriquer des objets comme ça? On peut aller loin comme ça, hein? Eh, mais on a un différent biome, je suis dans un désert. Regardez, même les nuages, ils bougent. Je peux faire disparaître le désert, regardez. On peut miner tout ce qu'il y a de plus normal, là. Super! Et si je tourne, là? Il se passe quoi? Oula, mais attends, mais j'écris quoi, là? Ah, je crois que j'ai récupéré de la caillasse. Mais oui, j'ai récupéré du roc. Je vais essayer de créer un outil. Non, ça marche pas. Ah non, je suis con, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ça c'est l'inventaire, mes tablettes. C'est pas ta table de craft. Regardez, mais même quand je fais ça, le logo crafting, il bouge. Je pense que sur cette démo, nous ne pouvons pas construire. Ce qui est un petit peu dommage, on est un petit peu limité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était très rapide. On est très limité sur le jeu. Je pensais pouvoir faire plus de choses, notamment taper des ennemis. D'ailleurs, je comprends pas, tout à l'heure, dans la génération de terrain, je pouvais faire ça. Là, c'est même plus le cas. Parce que j'ai décidé de les activer pour explorer tranquillement, pas me faire agresser. Là, c'est même pas le cas. On peut même plus les activer. Je le précise encore une fois, c'est une démo. Et c'est encore une alpha. Encore une chose, peut-être que vous l'avez remarqué, le jeu plus tard sera multijoueur.
Et une autre chose aussi à souligner, le jeu est sur Steam. Oui, parce que Minecraft n'existe pas sur Steam. À part Minecraft Dungeon, là, 4DMiner est sur Steam. Si ça, c'est pas beau. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur 4DMiner. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut !